je vois tes yeux, je suis amoureux. Oui. Pensez si ça me fait plaisir, la maman d'Amandine. Depuis tant qu'elle me parle de vous. Alors, c'est le grand jour, c'est ce soir. Oui, j'espère que vous n'aurez pas trop chaud sur la route avec cette canicule qui dure depuis 3 semaines. C'est... Ah, vous prenez le train? Ah bah oui, oui, c'est bien le train, c'est sécurisant. Et puis en plus, c'est climatisé. Oui. D'accord, bien sûr, oui. De toute façon, ne vous inquiétez pas, nous aurons le restaurant uniquement pour nous trois. Oui, oui, il n'y aura personne, vous allez voir, on va se faire une petite soirée sympa, on va faire connaissance et tout. Oui. Bon alors, comment je fais quand je vous vois? Je vous appelle Martine ou maman? Martine? Oui, oui, bah très bien, va pour Martine. Bah de votre côté, vous n'aurez qu'à m'appeler Lionel. Hein? Bon. Je ne vous cache pas que de temps en temps, je me paierai peut-être une gourmandise en vous appelant Maman Martine. Hein. Oui, Amandine vous a dit pour mes parents. Allez, j'avais 2 ans et demi, alors autant dire que vous deviendrez vite ma nouvelle maman. Oui. Excusez-moi Martine, quelqu'un vient de rentrer, je pose le téléphone et je vous reprends tout de suite. Ne vous quittez pas, hein. Bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous être utile? Ah, par contre, je suis désolé. Si c'est pour réserver un couvert ce soir, le restaurant est exceptionnellement fermé pour raison familiale. Non, mais rassurez-vous, c'est pour demain. Je m'y prends un peu tard, peut-être. Ah, mais non. Ah non, pas du Super. Tout. Super. Pas de problème. Attendez, je vais prendre mon petit carnet. Hop, voilà. Alors, pour demain, vous m'avez dit? Oui. Donc ce sera un couvert pour deux? Non, entre 35 et 50. Mais je suis pas tout à fait sûre du nombre de réservations. Ah oui, oui, quand même, c'est pas pareil. Oui, faut que je m'organise là. Ah oui. Bon, écoutez, j'étais au téléphone avec ma future belle-mère. Oui. Je vais lui dire que je vais la rappeler, d'accord? Eh ben, prenez votre temps. Pendant ce temps-là, est-ce que je peux me permettre de faire un petit tour dans l'établissement pour savoir comment on pourra s'organiser pour demain? Ah oui, oui, tenez, ah. Regardez, la salle de restaurant est juste sur votre droite, là. D'accord, voilà. Merci bien. Très bien. Voilà. La... Non, la droite. Ah oui. Merci. Allô, Martine? Excusez-moi. Hey, c'est une grosse commande pour demain. D'ici que je sois obligé de vous embaucher, hein. C'est que j'ai des tocs et des tabliers d'avance, vous savez, hein. Oui, d'accord. Oui, 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 vous inquiétez pas, je dirai à Amandine de passer vous chercher à la gare. Oui, très bien. Entendu. Eh bien, écoutez, on se dit à tout à l'heure, hein? Oui. Alors, au revoir, bisous, à tout à l'heure. Alors, les lieux vous conviennent-ils? Ben, tout ça me paraît parfait. Bon, bah écoutez, ça commence bien. Hein? Super. Alors, vous serez quand exactement pour le nombre de convives Alors, pour l'instant, Dieu seul le sait. Vous savez, c'est un baptême, une grande réunion familiale. Oui. Mais alors, avec cette canicule qui dure depuis 3 semaines, oui. Comment voulez-vous qu'on sache combien il restera de personnes vivantes d'ici à demain midi? Ah oui. Oui, je comprends, oui. Non, mais c'est qu'il n'y a pas eu de canicule comme celle-là depuis 1715. Hein. 700 000 morts, quand même. Hein. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, on est peu de choses. Ah oui. Alors, donc, c'est votre bébé que l'on baptise demain, c'est ça? Ben non, pensez donc. Ben, ça ne serait pas incongru, hein. Non, ben, vous dites ça parce que je suis pas habillée. Ah ben, excusez-moi, mais votre côté naturiste n'est pas très flagrant. Je veux dire que je suis habillée en civil. Ah, mais j'avais compris. Alors, on est dans quoi? On est dans les... non, la poste. L'EDF, la sécurité sociale, l'église. Non. Si. Oh, bah, merde, excusez-moi pour la petite boutade de tout à l'heure, si j'avais su... Non mais je vous en prie, vous savez, il y a des sœurs naturistes, hein. Ah bon? Bien sûr. Bon, je me présente. Oui. Gabrielle de la conception interrompue par des voisins nerveux. C'est tout ça votre nom? Appelez-moi tout simplement Gabrielle. Je suis responsable des festivités à la paroisse Sainte-Mauricette. Oh bah oui, oui. Bah je suis bête, ouais. C'est donc vous qui allez assurer la cérémonie demain? Ah non, c'est ah, non, 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 non. Ah non, ah, oh, là, là. Ah, non. Est-ce qu'il y a, j'ai dit une bêtise? Ça va pas? Oui.
Vous pouviez pas savoir, mais je suis très malade. Comment ça, vous êtes malade? Mais vous allez mourir. Mémé, mais elle est où, Mémé? Mémé quoi? Mais merde alors. Mais médicaments. Ah, médicaments. Dans la poche. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, ça tombe sur moi, ça. Médicaments. Où ça? Dans la poche. Là, je les ai. Bougez pas, je les ai détruits. Mais ça vous arrive souvent. C'est pas. Bougez pas, je vous donne un verre d'eau. Mais Marc, excusez-moi. Oui, au bien, je veux la bière fraîche, bonjour. Pardon ? Qui ça ? La sous-préfecture ? Non, j'ai pas le temps de gérer la sous-préfecture. Non, pas le temps. Bon, j'en étais où, moi ? Oh, merde ! Tenez. Ça va mieux ? Mais fais peur. Ah, vous êtes gentil. Oh, vous savez, dans mon métier, faut savoir garder son calme, hein. Oui, auberge de la bière fraîche, bonjour. Quoi? Encore la sous-préfecture? Mais non, je vous ai dit que j'avais pas. Comment ça? C'est urgent. C'est urgent. Mais non, mais attendez, mais je me fous complètement que vous soyez la directrice du cabinet du sous-préfet, madame. Urgent, mais oui, urgent. Mais de mon côté, c'est urgent, hein. Alors, vous savez pas votre urgence, en attendant que la mienne soit réglée. Eh ben, vous savez où vous pouvez vous la mettre. Ah bah, dans le mien aussi. Pardon, dans le vôtre aussi, mais dans le vôtre quoi? Bah, dans mon métier aussi, il faut garder son calme. Oh, il fait peur. C'est pour ça que je peux plus faire de cérémonie. Ah bon? Ce sont les cérémonies qui vous stressent? Ah non, c'est leur contenu. Ah bah oui. Un mort, crac, je flanche. Un bébé qui pleure au-dessus de l'eau bénite, je tombe dans les vapes. Ah non, vous comprenez, dans mon métier, c'est un sacré handicap, hein. Oh bah ben alors moi j'aurais jamais imaginé que rentrer dans les ordres pouvait apporter autant de désagréments. Ah ben bien plus que vous ne le pensez, hein. La dernière fois, c'est-à-dire hier après-midi, ben j'ai failli y passer. 12 heures d'observation aux urgences. Oh, un enterrement? Non. Une confession. Oui. Ben un type là. Oui. Qui vient me dire qu'il est cocu. Ah. Oui. Que l'amant de sa femme, ben, c'est son patron. Ah oui. Et qu'il a tenté de l'assassiner. Jusque là. Rien du banal. Attendez, mais son patron a tenté de l'assassiner. Non. Il faut suivre, monsieur Raduchot, on va jamais y arriver. Le cocu a tenté d'assassiner l'amant de sa femme. Un peu de logique. Oh oui. Oh bah oui. Oh, pardon, excusez-moi. J'en prie. Alors, trois pas de terre, un navet. Non, c'est ma tournée. Eh bien. Oui, surprenante, elle est bien. Donc le Gugus me dit qu'il, oui, a tenté d'assassiner l'amant de sa femme, oui, avec des médicaments. Ah oui. Bah, d'un autre côté, c'est plus discret. Ouais. Bah, alors du coup, il prend ce qu'il trouve dans l'armoire à pharmacie, mm-hmm, il lit la notice, et hop, direction le bureau de l'amant de sa femme. Oh. Et alors, il a réussi son crime parfait? Alors là, je vais vous dire, entre nous, être cocu, ça peut rendre con. Ah. Allez. Ah oui. Il y en a même qui le deviennent parce qu'ils l'étaient, hein. C'est ce que je viens de dire. Non, mais moi je suis en train de vous dire l'inverse. Là, vous me perturbez, monsieur Raduchot. Non, détendez-vous, c'est pas grave du tout. Je vous disais tout simplement qu'on peut devenir con parce qu'on est cocu, mais qu'aussi on peut devenir cocu parce qu'on est con. Hein? Ah oui. Voilà. Oui, mais alors lui. Oui. Eh ben, il devait être des deux catégories. Ah. Ah oui. Ah bon. Parce que. Oui. Dans l'armoire à pharmacie. Oui. Il y avait que des suppositoires. Oh bah c'est sûr que oui, vu de ce côté-là. Oh. Ah bah faut trouver une bonne opportunité si on veut empoisonner par surprise. Hein. Disons que si l'amant n'est pas écossais, ça va poser des problèmes. Oui, mais alors attends, c'est pas fini. Oui. Il a fini par l'attacher, le bougre. Il me l'a avoué, le crétin. C'est pas vrai. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué votre malaise? C'est parce que c'est si compliqué que ça de garder un tel secret? Oh non. Moi, je lui ai dit de se rendre à la police, que la justice en tiendrait compte. Bon, et tous les mensonges que racontent les ecclésiastiques dans ce moment-là. Alors là. Vous voyez? Ah bah oui, je vois bien. Oui. J'ai été élevé dans un orphelinat catholique. Ah! Alors, je sais très bien de quoi vous voulez parler. Hein. Oui, mais alors, toujours pas fini. Oui. Il me dit qu'il préfère encore se suicider.
Non. Vous le connaissez? Ah non, pourquoi? Bah, vous venez de prononcer son nom. Son nom, mais quel nom? La tuile. Il s'appelle Jeannot La Tuile, il me l'a dit. Oh bah excusez-moi, je reste aimé comme une tombe. Une quoi? Rien. Une quoi? Non, non, pas une tombe. Ah non, 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 une carte. Une comme une carte, ça vous va mieux comme ah ça oui. Une... Ah oui, alors bien une carte. Voilà. Ah oui, je m'assois. Venez, allez vous asseoir. Ah oui, une carte, fragile, une carte. Oui, une carte, oui. Une carte. Allez. Ah oui. Oh, oui, mais quand même. Oui. Il décide de se suicider, mais dans mon confessionnal, le con. Non. Ah si. Non, pas facile comme endroit, c'est plutôt exigu. Ah mais d'autant qu'il avait de la suite dans les idées. Parce que pour se suicider, il a voulu utiliser les médicaments de l'armoire à pharmacie. Oh non, il vous a pas fait ça quand même. Ah oh, si oh, oh. Alors attendez, le type commence dans sa manœuvre, il se coince dans mon confessionnel. Ici. Oh le pauvre. Bah alors il devait être dans une position bien ridicule, hein. Pensez. Bah j'imagine. Mais vous n'êtes pas sorti à ce moment-là pour intervenir? Ah bah non! Parce que moi je suis tombée dans les vapes avant. J'ai juste eu le temps de tirer la sonnette d'alarme qu'on avait installée pour moi au cas où. C'est que c'était pas mon premier malaise dans un confessionnal. Oh, mais comment ça s'est passé? Eh ben on l'a raconté après, il y avait deux services de secours. Un pour lui, bah, et un pour moi. Ah oui, vous m'étonnez là. Ça prie? Oui, auberge de la Bienfaite, bonjour. Oh, encore la sous-préfecture? Mais comment? Non, non, écoutez, c'est pas la peine d'assister, je vous dis que c'était pas possible. Je n'ai pas le temps, c'est pas le moment, c'est tout. Pourquoi? C'est encore la directrice du cabinet du sous-préfet. Ah oui, vous écoutez. Bon. Pourquoi? Eh ben parce que c'est pas le moment. Voilà. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai un type là coincé dans le confessionnal devant moi là et puis que j'aimerais bien savoir comment on va le sortir de là. Oui oui. Ah non 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 madame non non je ne vous prends pas pour une imbécile non 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 c'est la stricte oui d'accord t'es très bien. Oh chier. Continue. J'en étais où? Alors, vous disiez qu'il fallait deux équipes médicales, c'est ah ça? Oui. Ah oui, 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 oui. Sans compter les menuisiers. Parce que c'est qu'il fallait y accéder dans le bousin. Donc, une fois qu'ils ont pu retirer le toit, les médecins ont pu intervenir, mais alors seulement la tête en bas. Comprenez? Ah, ils ont des trapézistes au SAMU? Non, mais si l'un d'entre eux n'avait pas été un catholique pratiquant, j'aurais été moins emmerdée. Non, mais attendez, mais c'est vous qui dites ça. C'est le monde à l'envers, enfin. Enfin, il lui a pris l'idée de profiter du lieu et du moment pour se faire confesser. Alors, du coup, pardon. Oui. Un curé de la paroisse a dû grimper de mon côté pour pouvoir le confesser. Oui. La tête en bas. Mais il a fallu mettre les boules aux autres. Les boules, mais quelles boules? Bah les boules à oreilles, à cause du secret de la confession. Bah oui. Bah vous imaginez bien que si les médecins et les menuisiers avaient entendu les confessions faites à un prêtre, une catastrophe. Non, ça allait encore là. C'est quand les gendarmes sont arrivés que ça a été le bazar. Oh! Oh bah ça m'en parlez pas, hein. À chaque fois que les gendarmes arrivent quelque part, de toute manière, c'est toujours le bazar. Tout se complique à chaque fois. Ne les blâmez pas trop vite. Et donnez-moi une cuillère. S'il vous plaît. Oui, attendez. Une cuillère. Une grande cuillère. Voilà. Les gendarmes devaient faire un petit interrogatoire rapide pour savoir ce que la tuile avait fait avaler au patron. Le problème, c'est qu'avec les boules, il devait le faire avec des signes. Mais tout ce monde là-dedans, il n'y avait plus de place. Donc, les médecins ont tenu des petits miroirs à amygdale, comme ça, pour que les gendarmes puissent voir d'en haut. Comprenez? Ben c'est clair. Je comprends. Hein. Mais au final, vous avez su ce que c'était, les médicaments? Oh, vous allez rire.
les pilules contraceptives de sa femme. Elle les avait mises dans la boîte à suppos pour gagner de la place dans l'armoire à pharmacie. Oh, c'est bon. Ah bah à mon avis, ils ont pas dû agoniser longtemps, hein. Ah, vous comprenez pourquoi moi, dans un confessionnal, je stresse. Ah bah alors, moi c'est dingue, parce que nous, avec les copains, l'orphelina, on pensait qu'il y avait qu'une chose qui pouvait vous stresser. Ah. C'était le célibat. Bon. Ah ouais, ça... Pour ça, on s'arrange. Non, mais enfin... Bon, dites-moi. Oui. Vous auriez pas un petit remontant, parce que rien de reparler de tout ça, je pense que je vais avoir des palpitations. Attendez, je regarde ce que j'ai dans le frigo. Vitamine C, ça vous irait? Parfait, du jus d'orange. Mais n'ayez pas trop le rhum avec, hein. Jésus prit la coupe. Mais je prie. Il rigole. La remplit de... Bah de punch. L'attendit à ses disciples et dit: prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Je fais partie de tes disciples, Seigneur. Alors, serre-moi une petite goutte. Non, mais le punch du sang du Christ, non. Non, le sang du Christ. Le sang du Christ. Du punch. Oui. Oui, mais vous avez qu'à mettre de l'orange sanguine, hein. On sera quitte avec lui. L'orange sanguine. Bon, allez, je vous préviens. Il va être bien tassé, hein. Bien. Je vais vous faire un truc maison. Vous inquiétez pas, j'y survivrai. Voilà. Il n'y a que ça qui me requinque face à une grosse émotion, c'est que ça doit être une volonté divine que j'en boive, hein. Ah bah dis donc, j'imaginais pas Dieu martiniquais, moi. Oh. Vous rêvez, bien tassé, hein. Allez. Hop. Hop, oh. Ah non, hop, oh. Hop. Là, ah. Allez, viens. Fais-moi ça. Ah oui, hein. Hé hé. T'as des calamines, ça. Ça. Eh oui, bah, ça. C'est le sang du Christ. Oui. Voilà. Pour le déjeuner demain, vous aurez ce qu'il faut. Ah oui. Oh ben vous inquiétez pas. Moi je ne pratique que du frais. Je ne prépare que du frais. Ah oui. Hein, j'ai. Hey, vous verriez ma chambre froide, elle est quasiment au chômage technique. Non, je vais aller faire un petit tour ce matin au marché, je vais bien voir ce qu'il y a, je vais acheter 2-3 bricoles et puis le mieux c'est que vous repassiez cet après-midi, hein. On fera le point. C'est super. Voilà. Ça, chérie? Maman t'a appelé? Ah oui, elle m'a appelé. Oh, mais c'est que je l'ai trouvée très charmante, ta mère. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander laquelle des deux je vais épouser. T'inquiète. Excusez-nous, mais on se fiance ce soir, vous savez ce que c'est, quoi. Oui. Merde, voilà que ça m'est fait. Gabrielle, Amandine, je te présente Gabrielle, qui est venue réserver un banquet pour... Non, pas d'eau, pas d'eau. Oh. C'est bon, ça. Elle est venue réserver un grand banquet pour demain. Ça va aller? Ça va, Gabriel? Vous vous sentez bien? Ça va mieux. Dites, pour les vins dans votre cave, vous avez ce qu'il faut? Oh oui, vous inquiétez pas, j'ai de quoi voir venir. C'est pas un problème, on a tout ce qu'il faut. Allez, bonheur! Voilà. Chérie, mais t'as vu, mais Gabriel a embarqué ton shaker. Hein? Oh, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, tu sais, depuis son malaise qu'elle a eu au confessionnal, il lui faut bien ça. Hein. Bon. Oulala, faut que j'y aille, moi, je vais être en retard. Attends, mais quel confessionnal? C'est rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout ce que je vois, c'est qu'on a une excellente, une très belle commande pour demain. Bon, oulala, je vais être en retard, moi, il faut que je file. Bon, tu tiens la boutique, hein? J'y vais. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais réserver une table pour ce soir. Ah! Très bien, écoutez, voyez ça avec madame. Elle va s'occuper de vous. Bien, bon, moi je file, je saute dans la voiture, je vais te la soigner aux petits oignons, belle maman. Allez, à tout à l'heure. Et il a une belle mère. Oh, le pauvre garçon. Le pauvre garçon, mais maman est une femme charmante, hein. Ah, je hais les belles mères. Donc vous étiez venue pour réserver une table, c'est ça? Elisabeth, fais le cocu, cet abruti, qu'elle lui disait. Pour combien de personnes? L'abruti, c'était moi. Vous préférez près de la fenêtre ou dans un coin plus calme? Vous savez, vous, l'effet que ça fait quand on l'apprend qu'on l'est. Quoi, abruti? Non, cocu. Ah non, pas encore. Enfin, je veux dire non. On a 43 ans, et blanc. La belle-mère vous balança entre deux tranches de gigot. C'est dur à digérer, hein. Non, mais ça, c'est parce qu'elle met trop d'ail dans le gigot. C'est fou ce que les gens peuvent mettre comme ail dans le gigot. Mais je parle pas d'ail, je parle d'adultère. Bah, parce que votre belle-mère met de l'adultère dans le gigot. Oh, c'est dégoûtant. J'ai l'impression que vous m'écoutez pas, là. Ah, si. Tiens, d'ailleurs, la preuve. Vous êtes un abruti cocu et qui ne sait pas cuisiner, je résume bien. Oh, oh. Toutes les mères. Je suis désolée, je suis peut-être pas très diplomate. Donc, vous vouliez une table pour fêter ça? Elle me regardait avec ses yeux de taureau bouilli, là. Non, en ce qui concerne ma belle-mère, j'ai bon et... Ah, je commence à vous plaindre, hein. Oui, et ben lui, il m'a pas plaint, ce crétin. Parce que votre belle-mère est un homme? Mais non, celui qui me l'a piqué. Et qui, votre belle-mère? Oh, vous commencez à être lourde avec ma belle-mère, hein. Alors que je fais tout pour essayer de l'oublier, hein. Mais attendez, là, c'est vous qui arrêtez pas de m'en parler. Moi, je voudrais seulement savoir où, quoi et comment vous voulez manger. Je suis désolé. Je ne savais pas à quel point ça se voyait que je la déteste. Ah bah, si ça peut vous rassurer, elle ne risque pas de croire qu'elle est votre meilleure amie, hein. Mais bon, allez, résumons. L'abruti n'est pas votre belle-mère. Si. Enfin non. Bah, c'est un peu compliqué là aussi, hein. L'abruti, c'est l'amant de ma femme. Et l'abruti, IE, c'est ma belle-mère, qui n'arrête pas de la jeter dans les bras d'abruti. Ah, parce que c'est pas la première fois? Bah, et pour cause. Bah, et pour cause quoi? Bah, la première fois, c'était moi. Bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur Raduchon. Ah non, il est sorti. Oh. Vous m'oubliez pas, hein? Non, je ne vous oublie pas. Bah, écoutez, si monsieur Raduchon n'est pas là, je ne resterai pas très longtemps. Mais je vous promets que nous repartirons de là où nous sommes arrêtés, hein. L'abruti, c'était vous. Ah oui, ah c'est ça. Oh, si vous saviez comme c'est réconfortant de rencontrer une personne qui me comprenne. Oh. Il est drôle, lui. Et il faudra dire que je suis le premier abruti, hein. Parce que, vous comprenez, madame, si on ne dit pas que je suis le premier abruti, on ne peut pas comprendre, hein. Ah, mais moi je vous crois bien, monsieur, moi je vous crois. Et si tous les premiers abrutis devenaient... Parce que si j'étais le deuxième abruti, oui, on ne pourrait pas comprendre. Ah, mais non, ce serait vraiment une honte. Ne vous inquiétez pas, monsieur et moi, on se comprend. Oh, vous imaginez, si tous les premiers abrutis, premiers cons venus, venaient prendre la place des premiers abrutis, où serait la justice? Oh.
Vous auriez quelques secondes à m'accorder, s'il vous plaît? Je vous offre un verre pendant que je discute avec madame. Hein. Vous prendrez quoi? Un panaché pistache, si vous avez. Eh bien, c'est comme si c'était fait. Si vous voulez, monsieur. D'ailleurs, monsieur, la tuile. Jean. Mais vous pouvez m'appeler Jeannot, hein. Donc, madame, vous voulez voir mon mari, c'est ça? Oui, 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 c'est très important. Il faut que je lui parle personnellement. C'est si important que ça? Oh, ben, il y va quand même de l'avenir de son établissement, madame. Le guide des trois tambouilles. Lionel va avoir sa tambouille de bronze. Vous êtes la bienvenue, madame. Tiens-moi ça. Quoi donc? Quoi donc? Bah, que voulez-vous que je tienne? Tiens-moi ça, c'est mon nom, madame. Excusez-moi, mais c'est prémonitoire, un nom pareil, quand on pense à ce que vous distribuez. Ah, bah, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Bah, écoutez, je suis heureuse de vous rencontrer et fière. Hein. Il est drôle, lui, hein, vraiment. Hein. Bon. Quand est-ce que vous pensez que je pourrais rencontrer le patron de l'établissement? Ah bah, pour l'instant, il est au marché. En pleine canicule? Ah, il fait chaud, hein. Ah oui. Moi, d'ailleurs, c'est simple. Hein. Depuis ce matin, j'ai changé 4 fois de chemise. Mais j'ai gardé mon t-shirt. I love you, ma bébête. Ma femme s'appelle Elisabeth. Il est drôle, là. Il a... votre mari, madame. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Oui. En pleine canicule, là, votre mari, est-ce qu'il a une voiture réfrigérée? Non, en même temps, pourquoi faire Non, il passe commande et puis après, il se fait livrer. Bon, très bien. Écoutez, vous pourrez le prévenir, je repasserai plus tard, hein, cet après-midi. Bah, vous pouvez y compter, il sera vraiment heureux de vous rencontrer. Écoutez, je sais que j'aurais pu commencer mon travail aussitôt arrivé, mais je préfère lui laisser l'heure du midi pour se faire à l'idée de ce qui l'attend. Bah, merci. Bon, à tout à l'heure, madame. À tout à l'heure. Oh là. Monsieur, vous êtes vraiment un abruti, hein. J'en ai pas vu beaucoup, mais un abruti de première. Oh, c'était presque ça. Mais je vous en veux pas, hein. Ah, mais le cœur y était. Justement, je vous dis ça avec le cœur, monsieur. Oh, mon Dieu. Au revoir, monsieur. Oh, sympa la bonne femme, hein. Allez, reprenons parce que je crois que cet après-midi, il va y avoir une bonne nouvelle. Oh, moi j'aime bien les bonnes nouvelles. À mon boulot, il y en a souvent. En même temps, heureusement, on peut pas vraiment dire que dans votre vie privée, vous ayez une chance de... Enfin, que vous soyez vénard, quoi. Vous en connaissez beaucoup, vous, des belles-mères qui choisissent leurs gendres parce qu'elles considèrent qu'ils sont des abrutis? Et vous devriez déjà être content d'en avoir une. Regardez, moi, j'ai pas cette chance. Mon Lionel, il vient de l'orphelinat. Ah, bah, si vous voulez de la mienne, je peux vous la louer au plus offrant. Hein. Hey, si vous dites oui, je préférerais être payée avant qu'elle soit livrée. Bon, et je voudrais quand même savoir si vous réservez une table. Ah, oui, une table pour ce soir. Bah, vous n'avez pas vu l'écriteau sur la porte? Ben, si. Vous cherchez une serveuse? Vous me voyez en mini-jupe? Non, l'écriteau fermé ce soir pour cause de repas de famille. Oh non! Oh, une fois de plus, je vais me retrouver tout seul alors que j'ai des gros soucis. Oh, comme il en a des soucis, le petit Jeannot. Bon, allez, mais c'est bien parce que c'est vous, hein, je... Vous ferez le
écrit à ma table, je vais dire à Lionel que je vous invite. Oh, merci. Oh, c'est sympa. Oh, je suis sûr que vous êtes comme moi pour faire une chose comme ça. Quoi, abruti? Non. Cocu. Ça s'est passé quand? La poupée était plus jeune que vous? Non, je vous invite parce que j'ai bon cœur. Et arrêtez de croire que toutes les femmes trompent leur mari ou leur compagnon. Ah oui, je vous le promets. Je vous le promets. Oh, je vous le promets. Oui. Écoutez, j'ai quelques petites choses à la faire à la cave. Je vais vous dire cet après-midi. Oui, hein? D'accord, madame. Ah, cet après-midi alors. C'est ça. Ah, allô, maman? Oui, t'es dans le train? Ah, super. Tu devrais arriver vers quelle heure? Ah, bah c'est parfait, du coup, je peux aller te chercher à la gare. Oui, tu vas avoir une surprise quand tu vas arriver tout à l'heure. Oui. Écoute, j'ai rencontré un crétin phénoménal. Tu verrais le bonhomme. Ouais, il revendique son statut de brutier et de cocu, hein. Oui, bah du coup, je l'ai invité à nos fiançailles ce soir. Mais si, tu penses que c'est une bonne idée, maman? Attends, toi qui adores le principe des dîners de cons, ben tu vas enfin pouvoir y participer. Oui, enfin, du bon côté cette fois-ci, oui. Et oui, mais il est formidable, oui. Bon, je confirme. Ouais, allez, à tout à l'heure. Bisous. Allô, chérie? Oh, merde, le répondeur. Bon, alors écoute, j'ai maman au téléphone, donc je vais passer la prendre à la gare. Par contre, si tu pouvais lui préparer un petit encas, bah, ce serait sympa, comme ça, oui. Et, oui, mon chéri. Écoute, le guide des trois tambouilles, il est passé ce matin, et il va te voir personnellement. Il repasse cet après-midi. Écoute, je crois que tu vas voir ta tambouille de bronze, mon chéri. Oh, oui. Une livraison pour monsieur Rancho. Je te laisse, il y a quelqu'un dans l'auberge. C'est sûrement la livraison de ce qu'il a commandé ce matin. Je signe où? En bas de la page avec votre paraffe. Ah, merci. Vous pourrez déposer ça là, je pense que mon mari ne devrait pas trop tarder. Ah bah j'espère, parce qu'il doit contresigner la livraison. Ah, par contre, je vous laisse, j'ai une petite course à faire, mais est-ce que vous pourrez dire à mon futur mari que je vais chercher sa future belle-mère à la gare? Bien, madame, merci. Bien. Dites, je suis toute seule et c'est un petit peu lourd et encombrant, hein. Ah bah vous devriez trouver un diable dans la cuisine par là, je pense. Au revoir. Eh ben qu'on faut y aller, hein. Après tout, ma Suzy, dis-toi que c'est un colis comme un autre. Tu sais, la rousse marche plus que la blonde, hein. Oui, très bien. Tu peux en avoir combien de fûts? Trois. Attends, ouais, ça devrait aller. Tu peux me les amener rapidement?
Ok. Ouais, c'est important pour moi, tu sais. Ah bah tu sais qu'ici je fais du chiffre avec la bière, hein. Ah oui. Ah bah de toute façon, moi ici. Ah oui. Ah la bière. Ah qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Roger, excuse-moi, mais j'ai une bière sur les bras. Non, ah non, non, c'est pas de la blonde, non, c'est... Oh putain, c'est un mec. Oui, oui, je te rappelle, hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Vous êtes monsieur Raduchot? Oui, oui, c'est moi, ça. Et ça, c'est quoi? Vous avez une idée? Ah, ça! Ça, c'est la surprise que vous m'avez demandé de me coller où je pense. Je comprends pas. Je suis Suzy Mouillotte, la directrice du cabinet du sous-préfet. Ah. Appelez-le. Appelez-le. Impossible! Comment c'est impossible? Ah non, mais vous allez voir que samedi ou pas samedi, il va vider son caddie de supermarché, hein, puis il va venir me régler cette affaire, hein. Et si vous répondiez au téléphone, ce serait peut-être un petit peu plus facile, non? Oui, oh bah, plus facile, tu parles, oui. Ah si, ce matin, j'aurais pu vous le passer et il aurait arrangé tout ça. Oui, bah, ce matin, j'étais très occupé ce matin, voilà. Bon, montrez-moi votre confessionnal. Et quel confessionnal? Je ne sais pas, quelqu'un était apparemment coincé dedans ce matin, vous l'avez dit au téléphone. Bon, j'aimerais qu'on parle sérieusement. C'est quoi ça? Ça! Un cadavre dans une bière! Ah ben, oui, oui, ça j'ai bien vu! Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il attend sa famille! Non, mais attendez, mais vous vous rendez compte? Il est posé là, en plein milieu de mon restaurant! Non, mais... Et alors? Il prend moins de place qu'un confessionnal, non? Oh, mais vous commencez à m'emmerder avec votre confessionnal, vous! Bon, signez! Signez quoi? La prise en charge du cadavre! Non, mais ça va pas! Non, non, mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Vous êtes folle, vous? Non! Bon, c'est pas grave, votre femme a déjà signé le bon de livraison. Comment ça? Elle a pas regardé ce qu'elle signait? Madame était pressée. Eh ben moi, je ne signerai rien du tout. Hein? Et puis vous allez me ramener votre cadavre d'où il vient, là. Et puis en quatrième vitesse. Ah, c'est impossible, non? Ah si? Ah mais si, c'est possible. Vous allez dans la réserve, là, vous prenez une brouette, un diable, je ne sais quoi. Vous chargez le cercueil dedans et hop, retour à l'envoyeur. Non, c'est impossible. Maintenant qu'il est là, il ne peut plus être transporté, c'est la loi. Ah oui? Ah bah très bien. Et c'est la loi de déposer des cadavres comme ça en plein milieu des auberges, hein? Seule sa famille a le droit de le faire redéplacer maintenant. Bon, elle est où cette famille? Eh bien, il a une fille. Ah! En mission météorologique en Antarctique. Oh! On n'est pas sorti de l'auberge. Eh ben lui non plus, visiblement, hein? C'est d'un drôle, ça. Oh, remarquez, c'est pas très grave, hein. Votre auberge s'appelle à la bière fraîche. Alors pour la conservation du cadavre, c'est très très important, hein. Ah mais franchement, c'est d'un goût, ça. Un goût de houblon. Bon. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Il y a quand même un défunt, là. Pardon, excusez-moi. C'est nerveux. Mais faut dire que je m'attendais pas à cette situation, hein. Ah bah, et moi donc? Ah, tu m'y attendais, oui, tiens. Ah, mais vous... C'est la canicule, vous ne le saviez pas? Mais si, bah bien sûr, je sais, je le vois que c'est la canicule. Mais je vois pas ce que la canicule a à faire avec moi. Votre chambre froide. Ben quoi, ma chambre froide? Monsieur Raduchot, vous ne lisez pas les journaux? Si, je lis les journaux. Mais uniquement le lundi, pour les sports. Mais qu'est-ce que j'aurais dû lire, moi, dans les journaux? Eh bien, la réquisition des chambres froides. Non, attendez. Moi, je veux bien qu'on fasse des stocks de sucre ou d'eau minérale dans mes réserves, hein, mais de là réquisitionner ma chambre froide, franchement, j'en vois pas l'intérêt. Il faut suppléer les pompes funèbres. Les... Ah oui! Oui! Ah oui, les pompes funèbres! Ah oui! La canicule! Oui! Les vidéos, oui. Et tout, là! Ah oui! Ah oui, mais non! Ah, mais alors là, non, ça va pas être possible! Pas possible du tout! Mais vous n'avez pas le choix, monsieur Raduchot! Mais si! Mais si, on a toujours le choix! Bon! Écoutez-moi, madame Couillotte! Mademoiselle Bouillotte! Oui, Bouillotte, pareil! Vous reprenez votre cadavre, là, d'accord? Hein, vous repartez avec ce soir,
et puis vous revenez, vous me le rapportez lundi. Ça vous va comme ça? On peut? Non, 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 c'est impossible. Ce cadavre, c'est le vôtre, monsieur Radouchot. Mais moi, je peux pas le garder ce soir. J'ai ma future belle-mère qui va arriver. Je fais mes fiançailles. Demain, j'ai un banquet de baptême. Non. Oh non, franchement, je peux pas. Je sais pas, m'emmener-le en face à la poitrine du Port Joyeuse. Lui aussi, il a une chambre froide. Oui, je sais. Elle est déjà réquisitionnée. Oh. Puis j'imagine que j'ai pas le droit de le débiter en mensonge avant de congeler. Non, il vous a été livré en entier. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi, bon sang? Mais vous êtes sûr qu'on ne peut rien faire? Ce matin, il y aurait peut-être eu une solution, mais là, c'est trop tard. Oh, oh mais pourquoi je vous ai envoyé bouler ce matin? Mais pourquoi? Oh, le con. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Qu'est-ce que vous vouliez me proposer ce matin? Rien de très précis, mais à ce moment-là, j'aurais peut-être pu demander au sous-préfet de vous décaler d'une ligne ou deux sur sa liste. Ah, parce qu'il y a une liste? Mais bien sûr! Ah, mais c'est super, madame! C'est super s'il y a une liste! Allez, madame Trouillotte, on décale! Mademoiselle Bouillotte! Oui, que vous soyez mademoiselle ou madame, rien ne nous empêche de décaler. Allez, on y va! Ha! Non, mais moi, je ne peux rien faire. Il faut la signature d'un sous-préfet. Je ne ferai rien avant lundi. Bon. Appelez-le. Impossible. Bon. Attendez, donnez-moi son numéro de téléphone. Vous allez voir. Je veux bien, mais il ne répondra pas. Ah, vous ne connaissez pas. On parie? Tout ce que vous voulez, monsieur Radouchot. Allez. Je vous compose le numéro. Allez-y. Non, mais... Je vous... On va l'avoir le cœur net. Je vous parie mon plan et par le logement. Oui, c'est bon, allez, c'est bon. Top là, monsieur. Allez, top, pas le temps de rire, moi. Top. Je t'en rien du tout, mais... Vous allez me donner ce portable, oui. C'est pas possible, ça. Oh. Ça seul. Cabinet du sous-préfet Coussillac, bonjour. Nom de Dieu. C'est bien vous? Oui, c'est moi. Je veux vous poser une petite question, monsieur Radouchot. Au point j'en suis, vous pouvez, oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de toupet, espèce de crétin? Oh putain, quel bol. Heureusement que j'ai pas topé, sinon je serais ruiné. Partez. Oh la guigne. Je vous présente le sous-préfet Coustillac, monsieur Radouchot. Oh mon Dieu. Vous comprenez pourquoi il ne pouvait pas vous répondre au téléphone? Mais, je vous préviens. Je vous préviens, madame Grouillotte. Mademoiselle Bouillotte. Que je vous préviens que... Que si... quoi, monsieur Gradouchou? Que si j'avais topé, eh ben j'aurais porté plainte devant les tribunaux. Voilà, c'est un délit d'initié que vous avez fait envers moi. Voilà. Honteux. J'ai tenté le coup, c'est humain, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Non. Dites plutôt, qu'est-ce que je vais faire de lui? Ah oui? Ah bah oui, c'est vrai ça. Alors dites-moi ce que vous allez faire de lui. Ah non. Quoi? On n'inverse pas les rôles. Bah, Parce que moi, ça a été le oui. mien pendant 7 ans, et que... 35 ans par bah, semaine. Et là, c'est week-end depuis mais... 10 minutes. Mais... Et encore, je suis bien gentille. Mais... Parce que mais... si j'avais eu une boiteuse à portée de main, vous ne sauriez même pas qui c'est ce cadavre. J'aurais fouillé dans ses poches. Détrousser un cadavre. Ah non, mais vous n'avez pas honte, monsieur Radouchot? Non. Je suis pas honte. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire, moi. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bon, c'est qui, lui? Bonjour. Ben, je sais pas, vous êtes qui, vous? Votre fiancée m'a invité à vos fiançailles. Amandine? Ah, parce qu'elle s'appelle Amandine. Ah, parce que votre fiancée invite des gens à vos fiançailles qui ne connaissent même pas son prénom. C'est pas possible. Je dors, je suis en plein délire, je rêve. Je vais me réveiller, c'est pas possible, hein? Ben, je peux vous gifler si vous voulez. Oh, mais le con! Mais je vous ai pas dit oui!
Oh bah il manquait plus que ça. Oh la tuile. Présent. Oh bah il manquait plus que ça. Je viens de dire ça. La tuile. Non mais c'est quoi ce dialogue de merde? Jeannot la tuile, c'est mon nom. Bah oui. Un suppositoire du confessionnal. Mais comment vous savez ça, vous? C'est lui, le coincé du confessionnal. Oh, mais alors tout le monde le sait. Ah, c'est quoi, ça? Eh ben ça, c'est le cadavre du sous-préfet, voilà. Salaud, ben... espèce d'abruti. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, je vais te tuer. Ça va pas, mais vous êtes cinglé ou quoi? Il a piqué ma femme, ce crétin! Elisabeth! C'est votre femme! Ah, vous connaissez ma grande bébête! Mais alors? Mais alors, c'est vous, l'abruti? Tout le monde m'appelle comme ça! On vit vraiment un monde de belles, moi! Bah tiens, au point où on en est. De quoi il est mort, lui? Ah, nous y voilà. Alors ce matin, j'arrive au bureau et figurez-vous que je l'ai trouvé ligoté comme un saucisson et les fesses en l'air et à l'air. Ah ouais, ça c'était drôle. Alors au départ, je me suis dit que Birgit, sa maîtresse, était passée lui faire un petit coucou. Je l'ai détaché. Et là, j'ai reçu un coup de fil de la police. Ah oui. Hein? Le confessionnal avait parlé? Hey. Le sous-préfet les a appelés au téléphone. Il leur a dit que tout était normal. Et bizarrement, qu'ils n'avaient pas pris de suppositoire depuis des années. Eh ben, en plus de jouer les donjons, il était menteur. Bon, moi, j'ai rien compris, mais bref. Bon, il s'est remis au travail. Je ne savais pas qu'il n'en avait que pour que quelques minutes à vivre encore. Eh ben, dis donc, il y a une justice quand même, hein? Bon, bref, il m'a demandé de vous téléphoner, chose que j'ai fait. Et comme vous n'avez pas le temps de nous répondre, eh bien, le sous-préfet a dit « Oh, il m'emmerde, ce vendeur de soupe !» Et il a décidé de signer le document de réquisition de votre chambre froide pour le prochain mort. Non, non, ne me dites pas que... Paf ! Il s'est écroulé sur la feuille. Le prochain mort, c'était lui ! Oh ! Oh, c'est pas possible ! Ah, mais il a choisi le bon moment pour casser sa pipe, celui-là. Ah, ouais. C'est pas vrai. Non, mais dis donc, hé, hey, toi, là, c'est peut-être aussi un peu de ta faute si j'ai un cadavre sur les bras aujourd'hui, hein? Je ne pouvais pas deviner, moi. Deviner quoi? Mais que j'ai peut-être un petit peu assassiné Monsieur Coustillac. Oh, Monsieur la tuile, c'est bien d'avouer. On voit tout de suite que vous êtes un homme franc du collier. Ah, franc, franc. Eh, hey, il a quand même attaqué l'amant de sa femme par derrière votre franc du collier. Hein. Non mais vous aviez raison. Il n'arrêtait pas de faire pousser les cornes. Une sorte de hobby, quoi. Hein. Oui. Victime de son violon dingue, le salopio. Alors que pendant ce temps-là, il avait des jeunes et jolies filles à portée de main, mais rien. Même pas un regard, quoi. Oh, bon, bah c'est bon, regardez-les-moi, ces deux-là, en train de faire leur numéro de cabaret, là. Et moi, là-dedans, je suis pas aussi une victime collatérale de vos cornes, peut-être, hein? Le problème dans votre cas, c'est que c'était un sous-préfet. Oui, bah, sous-préfet ou pas, il a quand même choisi ma chambre pour son repos éternel, ce con. Non, mais je m'explique. S'il avait été préfet, il y aurait eu des sous pour signer le contre-ordre. Mais comme il est sous-préfet, bah, il n'y a pas de sous-sous.
Le fric, toujours le fric. Non, non, je ne parle pas de fric, je parle de sous-sous-préfet. Des sous-préfets de remplacement, eh bien, il n'y en a pas. Donc, si le sous-préfet meurt un week-end, eh bien, il faut attendre le lundi. Voilà. Oh. Vous êtes Martine ? Oui, c'est moi. Bah, je suis Lionel. Ah, honnêtement, je préfère. Ah bah. Je me disais aussi que vous aviez une drôle de façon de m'accueillir. Ah bah. C'est le chagrin. C'est le chagrin, les voir avec moi. Son amant vient de mourir. Oh, parce qu'il est en deuil. Non mais ça va pas, non? Parce que vous êtes homophobe en plus. Mais ça va être la vie. Bah, je veux bien être pris pour un homosexuel en deuil, mais pas de l'amant de ma femme, il y a quand même des limites. Bon, il ne peut pas être à moi ce cadavre, je suis orphelin. Hein? Alors, il faut bien que je justifie à ma future belle-mère sa présence ici, voilà. Et voudriez peut-être que j'appelle le médecin légiste et que je pointe du doigt là où il doit aller chercher. Hein? Oh, mon guide. Il s'appelle Philippe. Aux yeux de ma belle-mère, Jeannot est l'amant du sous-préfet, voilà. Pourquoi ? Mais j'ai mes raisons. Bon, écoutez-moi bien attentivement. Martine, je vous présente Jeannot. Jeannot est mon vieux Jeannot la tuile. Et sa belle-sœur Suzy. Voilà. Jeannot la tuile et mon vieux copain d'internat Lampulina. Et il est ma seule famille. Apparemment, dînez-vous, voyez. Chez nous, on ne laisse jamais un défunt seul, on l'accompagne jusqu'au bout. Oh, oh. Il est hors de question que je reste plus longtemps. Déjà, j'ai été bien gentille de livrer, alors que mon boss n'est même plus là pour vérifier ma conscienciabilité professionnelle. Bon, c'est bon, on est dans la même galère, là. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Disons que... voilà. Et puis, d'abord, si vous n'aviez pas effacé les indices d'une scène de crime, eh bien, votre alter ego, là, il serait peut-être déjà sous les verrous, voilà. Non, mais c'est du chantage, ça. Disons qu'on va appeler ça une petite participation bénévole, voilà. Dites-moi, Lionel, vous n'auriez pas des cierges par hasard? Des cierges? Des cierges. Ben non, j'ai des petites bougies pour les gâteaux d'anniversaire ou les repas d'amoureux. Écoutez, ce sera original, mon frère. Bien, tenez. Merci. Mais au fait, Amandine m'a dit qu'elle allait vous chercher à la gare. Vous l'avez pas vue? Elle m'a déposée et elle est partie directement acheter des cotillons et des serpentins. Oh. Espérons qu'elle ne les balance pas dans le milieu de l'auberge en arrivant, parce que vos amis trouveraient ça très malvenu. Ah hein. Oh, bah c'est sûr, oui. Ah, ah, ah. C'est rien, ce sont les nerfs. Non, les vôtres. Vous savez, mon ami, dans des moments pareils, on imagine toujours que le mort est encore vivant.
Mais non, regardez, c'est son téléphone qui vibre. Oh, je parie qu'il a un texto. Oui, bah, vous pourrez l'éteindre quand même, hein. Mon chéri, je suis sûre que Jeannot est sûr au boulot. Viens faire des galipettes à la maison. J'ai acheté de nouveaux jouets qui devraient beaucoup te plaire. Signé, Elisabeth. Oh, il vous trompait. Oh, bah voilà autre chose. Ah, le pauvre. Je vous propose d'aller discuter un petit peu en cuisine. Parce que si on met pas au point une stratégie, on va pas tenir longtemps, je vous assure, on est mort. Oui. Je suis d'accord. Moi aussi. Oh, c'est qu'on commence à avoir pas mal de points communs. Ah, mais manquez plus que ça. Bon, Martine, est-ce que vous voulez bien assurer le premier tour de veille, hein? Pas problème, je m'en occupe, mais j'ai l'impression que c'est le destin qui m'a conduit ici. Hein. Si ça se trouve, je vais veiller un pervers. Oui, bon, on va emmener Suzy. On va emmener Suzy se reposer un peu, parce qu'elle ne se sent pas bien, pas très bien, là. Hein? Oh, comme je ne me sens pas très, 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 très bien. Okay. Oh, on va vous emmener dans la chambre, alors. Oh, oui, dans la chambre, alors. Parce qu'elle se sent pas très, très bien. Ah, il manquait plus ça. Arrangeons un peu ça pour que ce soit quand même un peu plus présentable et respectable. Debout les morts ! Oh, Amandine, arrête un peu là ! C'est quand même pas tous les jours qu'on se fiance. Oui, bah, justement, hein. Tu ne te fiances plus. Pour quelle raison, je te prie ? Eh bien, à cause de... de Monsieur Jeannot. Attends, Jeannot la tuile? Je crois que c'est ça, oui. Dire que ce matin encore, je le traitais d'abruti. Ah, ça c'est sûr que ce sont des choses qui créent des liens. Hein. J'aurais tellement aimé qu'il soit ton con. Ah, parce que c'était lui? Oh, bah voilà autre chose. Bah maintenant, j'en aurais presque des scrupules. Tu avoueras qu'on n'est pas de chance quand même, hein. Le bonhomme était prévu pour nous faire poêler, et voilà qu'il change ses plans au dernier moment. Bon, oui. Je t'en trouverai un autre, hein. Oui, mais tu vois, en venant ce matin, je mets... dans le train, là-bas, je m'étais fait à l'idée. Tu m'avais mis l'eau à la bouche et j'avais presque hâte de venir. Et tu sais de quoi il est mort? Non. Tout ce que je sais, c'est que son fiancé était complètement effondré. Dans son fiancé? Et il était marié? Eh ben voilà autre chose, où va-t-on avec ses mœurs aujourd'hui? Marié. Sacrément cocu en plus, hein. Ah bon, il avait gagné quoi? Enfin, cocu quoi, enfin pas au jeu, cocu. Mais tu te souviens quand tonton Armand, le frère de papa, venait nous apporter le linge à laver de tante Janine? Oh oui, ça je m'en souviens. Papa et tante Janine, eh bien, ils faisaient partie du club. Tu savais ça, toi? Ah bah oui, nous, on guettait tonton Armand, parce qu'il avait toujours des bonbons à nous donner. Et une fois qu'on avait les bonbons dans les poches, eh bien, il nous disait, tu diras rien. Oh, mais si ton père avait su ça, oh là là. Bah, justement, une fois qu'on avait les bonbons du tonton Armand dans les poches, on allait voir papa, on lui disait pourquoi on avait des bonbons. Et là, il nous disait, tu diras rien. Ah, mais plein de choses, ton père savait. Non, mais il y a prescription maintenant, hein. Bon, quelle tristesse. Oui, mais là, j'ai la journée un peu gâchée, hein. Faut parfois pas grand-chose pour tout contrarier, hein. Un cocu, un mort, et un cocu mort. Ça a des fiançailles annulées parce qu'il y a un cercueil au beau milieu de l'auberge de Lionel. Mais le Maccabée a bien choisi son jour, hein. Bon, et tu l'as trouvé comment? Un peu
ballot. Ah ouais, tu trouves? C'est un vieux quand même, hein. Bah, pas tant que ça quand même. Bon, je pense aussi qu'il faudra s'occuper de lui très vite parce que l'avenir va ressentir mauvais. Ah non, ça c'est parce qu'il est pas au mieux de sa forme aujourd'hui, mais je sais qu'on est plus optimiste, maman, quand même. J'essaie, ma chérie, j'essaie, mais tu avoueras qu'au regard de la situation, c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est parce qu'il croule sous les soucis en ce moment, mais je suis sûre qu'il va avoir une bonne nouvelle dans l'après-midi. Je suis sûre qu'il appréciera. Hein. Mais dis-moi, une petite chose comme ça, tu comptes l'avoir sur le dos combien de temps? Bah, toute la vie, maman. Un détail, mais toute ta vie ou toute la sienne? Bah, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah, bah ça c'est fait. Ah bah attends, maman, mais on plaisante pas avec ces choses-là, attends. Lionel est jeune et robuste, il boit pas, il fume pas. Bon, d'accord, il attaque le saucisson un peu nerveusement, mais quand même. Mais toi, tu parlais de Lionel. Ah, parce que toi, tu parlais du cadavre. Eh bien oui. Ah mais non, mais non, pour lui, je découvre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir quelques explications quand même. Hein. Ah puis, la petite, parce que tout à l'heure, on a parlé de Monsieur Jeannot, mais il y avait la petite aussi. Elle était bouleversée devant ce... Non mais attends, mais... Le cercueil. Quelle petite? Bah, la petite... Bonjour, la copérie. Ma soeur, vous arrivez un petit peu tard pour l'extrême onction. Les quoi? Pour l'extrême... Ah, 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 l'autre chose. Lionel, Lionel, vite, on chez vous. Lionel, vite, qu'est-ce qui se passe? Là, 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 là. Oh, mais non, plus que ça. C'est qu'à crier. Là. Là, là, ça va. Oh, oh, l'ecclésiastique du confessionnal. Il va vraiment falloir que vous m'expliquiez ce que c'est que cette histoire de confessionnal. Bah, je... Un premier de la classe, mais quand même d'avoir assassiné un sous-préfet, ça lui donne un petit côté voyou corse, j'adore. Ouais, ben, si vous connaissiez ses méthodes. Ah. Rando, Pacino, De Niro. Non, non, Jeannot, le roi du suppôt.
Non, mais quand je pense à ma belle-mère, à peine descendue du train, elle tombe sur un cadavre et trois syncopes. Franchement. Oh, ben voilà autre chose. Bon, allez, poussez-vous. Poussez-vous. Quoi, Poussez-vous, ça. Ah ! Ah, celle-là, je la lui devais. Bien. Oh non, mais frapper un homme sans défense, c'est pas bien du tout. Ah mais peut-être, mais moi, me sens mieux là maintenant. Hé, il est encore dans les vapes là. Ben oui, pourquoi? Et si j'en fous une deuxième? Il n'y verra que du feu, puis moi je peux vous assurer que je me sentirai vraiment bien. Non. Poussez-vous, laissez-moi faire. Bon, regardez. À la une. À la deux. À la trois. Non mais vous avez vu les somnambules? Ah bah oui, dis donc, il est encore dans le potage. Non mais c'est incroyable ça, vous avez vu? Je dis à la une, à la deux et... À la trois! Oh, qu'est-ce qu'il est touchant quand il dort. Hein? Alors, vous êtes de contents les petits enfants? Oh, c'est trop mignon. Il rêve qu'il est dans un cirque. Oui, bah vous allez voir, moi je vais te le réveiller, le clown. Non. Il ne faut jamais réveiller un somnambule, c'est dangereux. Non, mais tu vas voir comment il va déguster l'Auguste. Non, mais c'est bon, un coup de pied aux fesses, une claque, et puis quoi encore? Non. Vous allez me laisser faire, il faut le réveiller avec douceur. Et c'est d'un ridicule votre truc là, n'importe quoi hein. Oh là 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 là, le réveil il m'a sonné. Et moi je suis sûre que le réveil il va pas sonner. Qu'est-ce que vous en dites les enfants? Le réveil il va sonner. Oh! Il casse les oreilles! Qu'est-ce qui s'est passé? Allô, les petits enfants! Le réveil, il a sonné! Qu'est-ce qui lui arrive à la péter du rythme? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vous avais dit, les petits enfants? Ah, que le réveil, il a sonné! C'est pathétique. Bon, hé, hey, oh, inutile de vous agacer, là. Il est réveillé, Jeannot. Hein. Alors, les petits enfants, qu'est-ce que je vous avais dit? Jeannot, il est réveillé. Bon, oh, je suis là. Jeannot, vous avez fait un petit malaise. Oh, j'étais folle d'inquiétude. Enfin, je veux dire que nous étions très, très inquiets, quoi. Ah oui. Un malaise, mais pourquoi? Tout à l'heure, quand vous êtes rentré et que vous avez vu l'ecclésiastique du confessionnal évanoui par terre, eh ben vous avez viré de l'œil. Du coup, la femme de monsieur Raduchaud s'est fendue d'une syncope elle aussi. Voilà. Alors ce qui fait qu'on a emmené les deux autres dans les chambres, là, hein, et qu'on a été obligé de vous laisser tout seul, là, avec le mort. Voilà. Mais quel mort? Mais le mort, celui-là, Jeannot, le vôtre, suivez un peu. Non mais, c'est normal, on est tous un peu déboussolés, quoi. Bon, maintenant on a trois problèmes sur les bras. Trois? Attendez, aux dernières nouvelles, il y en avait qu'un. Bon, pour le cadavre, on est tous d'accord, il n'y a pas de doute. Bah oui. Aucun doute possible. Bon, maintenant, on a l'ecclésiastique qui ne supporte pas les surprises et qui risque de nous péter sa pile si le cercueil rentre dans son champ de vision. Ah bah ça, on a vu, merci. Voilà. Et d'un autre côté, on a ma belle-mère qui veut qu'on exhibe ce cercueil parce qu'elle pense que c'est votre amant, Jeannot. Ah oui, mais c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Bon, on va s'organiser. Bougez pas. Voilà. Quand l'ecclésiastique du confessionnal sera là, hein? Oh,
s'arrangera pour mettre le drap, d'accord, comme ça là, et quand est-ce, et quand on l'enlèvera, hein, voilà. C'est clair, hein, c'est clair. Sauf si les deux se retrouvent en même temps dans cette pièce. Eh ben, s'ils se retrouvent en même temps dans cette pièce, c'est-à-dire l'ecclésiastique et ma belle-mère, eh ben, on va... C'est pour ça que c'est bien qu'on soit trois. Pour la diversion. Voilà. Ben, en s'organisant, ça va être un peu... Ça va être simple, hein. Ah oui. On va y arriver. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais parler à monsieur Raluchot. Est-ce qu'il est en train là? Il est là, il est là. C'est moi. Bonjour. Oui. Clémentine. Ah. Tiens-moi ça. S'il vous plaît. Bah, vous me l'avez tendu en demandant de la tenir. Alors... Non, mais tiens-moi ça, c'est mon nom. Ah, oh, excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu perturbé. Que me vaut l'honneur? Ah, je suis déjà passée ce matin. Votre femme ne vous en a pas parlé? Ah, si, 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 si. Ah, oui. Oh là là, si, si, elle m'en a parlé. Mais figurez-vous, madame, tiens-moi là que. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. D'accord, tiens-moi ça que. Depuis ce matin, il s'est passé tellement d'imprévus que... Que j'espère que cet après-midi, vous aurez quelques instants à m'accorder. Ah oui, oui, oui. Et ah oui, y a pas de souci. Vous venez pour la tambouille, c'est ça, hein? Je dirais pas ça comme ça, mais un petit peu, oui. Ah bah écoutez, moi, je vous le dis comme je pense, hein. Ah, tant mieux. D'ailleurs, ma femme m'a parlé de vous. Elle vous a trouvé, je veux dire, extrêmement sympathique. Eh bien, tant mieux. C'est bien voilà. La première fois qu'on me dit ça, monsieur. Bah écoutez, moi je vous le dis comme je pense, hein. Très bien. Donc, si vous voulez, bah aujourd'hui, mon établissement, bah c'est un peu le vôtre, quoi. Hein? Eh bien, c'est parfait. Voilà. Vraiment parfait. Très bien. Il est quand même plus facile lorsqu'on peut circuler en toute liberté dans un local de restauration. Aspect-il des services d'hygiène? Je vais vous le dire, monsieur. On va y manquer plus que ça. Alors, on commence par quoi, monsieur? La cuisine, la cave, les sanitaires. Si c'est une inspectrice des services d'hygiène, il ne faut pas qu'elle voie Philippe, hein. Bon, vous m'aidez à porter? Oh, super, c'est ma journée déménagement. Là, écoutez, ça, j'aimerais bien commencer par les sanitaires, monsieur Raluchot. Je vous avoue que ça m'arrangerait bien. Ah non, bah non, non, non. Et comment ça, non? Et si on commençait par la réserve? La réserve? Oui. Ah ben non. Ah bon, ben pourquoi? Si on commençait plutôt par la cave. Ah bah enfin monsieur Raluchot, vous rigolez ou quoi? Et pourquoi pas par la chambre froide? Ah bah oui, très bien, si vous voulez, par la chambre froide, c'est parfait, oui. Mais vraiment, vous êtes un original, hein, monsieur Raluchot. Ah. D'habitude, les restaurateurs me font descendre à la cave avant que les petits copains puissent cacher ce qu'il y a de compromettant dans la chambre froide. Et ben moi, c'est l'inverse. Vous cachez un cadavre dans votre chambre froide, monsieur. Mais non, pas dans la cave, madame Fourmola, voilà, pas dans la cave. Ah, oh là là, vous me plaisez, monsieur Raluchot, vous êtes vraiment très amusant. Oui. Et vous faites aussi cabaret, là, dans votre bureau? Oui, on fait des petits spectacles de temps en temps, et là, ils répètent. Voilà. Ah, ben dis donc. Oui. Ah, oui, ils ont l'habitude de venir quand même, oui. Hein. C'est pas mal, bon. Hein. Bien, mais écoutez, ça tombe bien, j'ai des papiers à vous faire signer, monsieur Raluchot. Ah, ben... Alors, ben, on va s'installer, là, installez-vous. Ah, c'est parfait. Là, mettez-vous là.
c'est pas facile avec les gants, vous comprenez bien. Je comprends, oui. Alors. Asseyez-vous. Tenez, tout est là. Quelle journée. Alors, je vais vous passer les papiers, je mets le stylo, voilà. Elle a dit boui-boui. Pourvu qu'il ne réagisse pas, hein. Ah oui, parce qu'il est sacrément impulsif, hein, monsieur Raduchot. Tout à l'heure, quand il a voulu vous gifler, ben moi, j'ai dit non. Il a voulu me gifler. Et puis c'était pour vous réveiller, vous étiez dans les barbes, Jeannot. Ben oui, mais quand même. Calmez-vous, Jeannot. Si vous ne le faites pas pour monsieur Raduchot, faites-le pour moi. Oh oui, je veux bien si c'est pour vous. Vous voyez le beau côté de cette journée, monsieur Jeannot, c'est qu'on s'est rencontrés. Oh, quand je pense à toutes ces fois que je vous ai eu au téléphone et que je vous ai dit des méchancetés. Oh, vous m'avez dit des méchancetés, monsieur Jeannot. Oui, asseyez-vous, je vous l'appelle lui. Ah oui, mais là vous aviez les circonstances atténuantes, quoi. Oui. Enfin, je n'ai pas trop l'habitude d'appeler des gens comme des sous-préfets. Ce n'est pas mon monde. Oh, c'est vrai que ça impressionne, ce genre de choses. Surtout quand ils sont l'amant de ma femme. Jeannot, oublions tout ce qui nous a séparés. Hé, embrassons-nous. Ah, il continue de nous séparer encore, ce crétin-là. Oh, il finira bien par se lasser, non? Eh bien, tout n'est pas prêt, monsieur Raduchot. Ah. Oula. Pas très stable, hein. Non. Voilà. Bien. Bon, bah, écoutez, monsieur Raduchot, c'est très bien pour les papiers. Alors, on avait dit qu'on commençait par... La chambre froide. Les sanitaires. Non, ah non, on avait dit la chambre froide. Hein. Ah bon. Bon, par contre, je vous préviens, il n'y a pratiquement rien dedans. Je reçois la livraison de cet après-midi, de ce matin vers 16h. Eh bien, écoutez, c'est pas plus mal. Comme ça, j'aurai froid moins longtemps. Hein. Voilà. Allez, c'est par là, on y va. Allez bien, monsieur Raduchot. On le remet à sa place. Ouais. Oh, je reconnais cette voix. Il y a quelqu'un. Oh là là, je reconnais pas la voix, mais je vois bien l'allure. Vite. C'est l'heure de mes médicaments et mon shaker, il est vide. On pose. Un peu qu'on pose. J'ai pas l'intention de porter la curaille une deuxième fois du canapé jusqu'au haut de l'escalier. C'est que le clergé local fait son poids par les temps qui courent. Hein. Dites, y a quelqu'un qui vient me refaire les niveaux ou je fais un malaise exprès pour enquiquiner le monde? Je suis là. Et hop là. Jeannot, je mets quoi? Ce que vous trouverez, hein. Une base de rhum et ensuite vous lui mettez un peu de n'importe quoi. Ouais. Et hop là. 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 Et Jeannot, je secoue combien de temps? Oh, pas la peine de mélanger, hein. Ah. Vu l'état, les changements de direction et les chutes feront le mélange tout seul. Sur l'autel, à cause des moustiques. Je crois qu'on a un petit problème là. J'ai peut-être trouvé une solution provisoire. Allez-y, vous avez carte blanche à nous. Qu'est-ce que vous avez fait de votre micelle? Vous l'avez oubliée? Micelle? N'oublie Micelle? Micelle? Non! Micelle! Ah oui! Parce que vous me dites Micelle, alors j'ai cru Micelle. Eh bien, je vais vous dire, vous avez raison.
Je vais monter le chercher, parce que des fois, qu'il y ait des alcooliques repentis qui veulent se servir de mon exemple d'abstinence pour s'arrêter. Hop là, je vais le chercher. Hop là. Ah oui. Merci. Qu'est-ce qu'on fait de la belle-mère? On la zigoule. Non, non, pas tout de suite. On va juste la déplacer histoire de l'éloigner. Après tout, c'est elle qui nous embête le plus, là, avec sa lubie d'exposer les morts. Tu t'en occupes, Suzy? Ah, Jeannot, oui, pour toi. Martine? 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 Martine! Ah! Ça vous ferait plaisir de visiter l'établissement de votre gendre? Je veux bien, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très disponible pour moi aujourd'hui. Très bien, mais suivez-moi. Pas de problème. Alors, bon, si on passait par les sanitaires maintenant. Bah, vous ne préférez pas la cave? C'est que les sanitaires ont quand même un petit côté pratique. Bon, allez, direction la réserve. Oh. Et prenez votre temps, hein. Bon, bah, c'est bon, hein, on est débarrassé de la belle-mère. Tu es sûre qu'elle ne reviendra pas nous refaire une vieillie? Eh bien non, parce qu'il y avait une pièce ouverte avec un cadenas dessus. Clic-clac, j'ai verrouillé. On est tranquille, on la fera sortir quand tous les autres problèmes seront résolus. Et on lui fera croire que la porte était coincée, hein. Et... me voilà. Et avec mon missel. Et ça, ça c'est drôlement sympa d'avoir installé un hôtel. Et vous pensez à tout, hein. Ben, on s'est dit que ça vous ferait plaisir. Énormément. Ah, d'ailleurs, je vais m'entraîner pour mon discours de... Avec ce qu'elle a bu, ça va valoir le coup d'œil. Ah oh oui, tout à fait. Mes bien chers frères, et merde, la table, elle est toute molle. Jeannot, il faut tirer le drap. Alors là, après la table toute molle, le micelle qui vole, je crois que j'ai un peu forcé la dent. On recommence. Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui. Pourquoi déjà? Je sais plus. Ah oui, si. Pour... C'est quoi son nom? Je ne sais pas. Bon truc! Je me souviens plus de son nom. Bon, sur Radio Show maintenant, je voudrais bien aller au sanitaire parce que je veux bien être patiente, mais là, ça commence à bien faire. Hein. Un peu de silence dans l'église, s'il vous plaît! Non mais quoi, merde, un peu de respect! Mais qu'est-ce que c'est, monsieur Radio Show? C'est parce que demain j'ai un banquet de baptême et l'ecclésiastique du confessionnal est venu préparer son petit sermon. Voilà. Oh, c'est bien ça, ça hein? M'intéresse. Oh, vous savez, on n'a pas souvent l'occasion de se détendre dans mon métier. Oh, c'est rigolo, c'est bien ça. Bah, vous avez plus envie de pisser? Oh non, mais je...
je peux pas. Je... Allez, tire des chevaux. Oh, mais qu'est-ce que j'aurais pas fait aujourd'hui, moi? Allez, allez, tire des chevaux. Allez, vous aussi, aussi gymnastique. J'avais un mot d'excuse de mes parents. Oh, allez, attendez, attendez. Allez, c'est parti, allez. Monsieur Raduchot. Vous devriez peut-être en changer. Oui, on y pense. Ah, si vous saviez comment on y pense. Ah, on y pense, ah oui. Bah, en même temps, ça ne me concerne pas, ce n'est pas de la denrée périssable. Bien. Mes chers amis, qu'est-ce que c'est donc que ce que j'ai devant moi? Je sais pas. Yari! Ah! Eh oui! La vie dans toute sa fraîcheur! Ah, tu parles! Son innocence! Oh là! Sa virginité! Devant moi se trouve un petit être sans défense. Ah non! Un petit là, être c'est une histoire! Là, ah non, ils sont pas là. Ah oui. Ils sont là. Et bien, je vais vous dire, je terminerai mon sermon en vous disant que vous n'oublierez jamais cette journée. Ah bah ça c'est sûr. Moi je n'oublierai jamais. Jamais, parce qu'il sera gravé toute votre vie dans votre... Bravo. Bravo. Oh Gabrielle, c'est vraiment formidable. Oh, j'ai trouvé ça... Comment vous dire, pour demain, ça va être super. Vraiment, j'ai trouvé de l'inspiration, du rythme, de quoi réveiller à mort. Dites-moi, je vais y aller. Je retourne au presbytère. Oui. Parce que j'ai quand même un peu peur que les autres aient bu ma part de femme maître, de peste. De bonne messe. De bonne messe. Oh, oui. Et ben, j'y vais. Oui. Je vous rappelle. Oui, oui. Et oui. Je vous dis combien on sera demain. Très bien. On fait comme ça. Allez hop. Allez hop. Oh, non, c'est par là. Allez hop là. Là, là à gauche. Hop. Ah oui. Pas possible. Allez. Allez. Bon débarras. Excusez-moi, vous pourriez m'indiquer les sanitaires? Ah,
c'est marqué. Oh, ben, excusez-moi. Bon, ben, j'y vais, hein. Puis j'en profiterai pour vérifier votre cave, hein, pour voir si le vin est bien rangé. Ouais, c'est ça. Puis si jamais vous croisez un cadavre, dites-lui qu'on l'attend pour l'apéro. La curaille est partie, on a déjà un problème de moins. Deux problèmes en moins. Comment ça, deux? Votre belle-mère est en lieu sûr, monsieur Radichaud. Ah, bah ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une très bonne chose. Oui. C'est bien. Et, en fait, je me suis permis une petite initiative, monsieur Radichaud. Vous allez voir, hein. Elle est vraiment bien. Hein. C'est qu'il y en a là-dedans. Oh, merci, Jeanne. Alors, c'était quoi? Bah, en fait, je lui ai fait faire le tour du propriétaire. Bah, vous avez très bien fait. Suzy a gentiment éloigné Madame Martine de notre terrain de jeu. Très bien, hein? C'est une... Excellent, très bien. Il y avait une pièce ouverte. Oui. Et elle est entrée dedans. Bien, très bien. Elle est fortiche. Oui, excellent, très bien. J'ai du boulot, moi. Hein? Oui. Et donc... Donc elle est entrée dedans, j'ai fermé la porte, oui. Et elle a dit « Ah ben voilà autre chose !» Oui, bon, ouais, ça c'est son top, c'est normal, oui, oui. Bon, très bien, très bien. Et j'ai mis le cadenas. Voilà. Clic, clac, on est tranquille. Un cadenas? Mais quel cadenas? Le cadenas qu'il y avait sur la porte. Non, mais attendez. Non, mais monsieur Radichaud, faut redescendre sur terre. Non, mais attendez, il n'y a jamais eu de cadenas sur mes portes. Bah, je ne suis quand même pas folle. Même que c'était un cadenas à code. Oui. Oh, nom de Dieu! Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Vous voyez là, Suzy? Oui. Eh ben, il redescend sur terre. Ah, oui. Nom de Dieu, c'est pas vrai. Mais vous avez enfermé ma belle-mère dans la chambre froide. Ça va pas, non? Oh, nom de Dieu, non. Et voilà. Et vous cherchez à rendre service aux gens et vous vous faites engueuler. D'autant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Oh, je suis sûre qu'avec cette canicule, elle aura apprécié le petit séjour, hein. Bah oui, un peu comme une clim. Ouais, bah c'est ça, oui. Et donc... en plus, si elle a faim, elle n'a qu'à se servir, hein. Non, mais dans deux minutes, vous allez me dire qu'elle va vous sauter dans les bras quand elle va sortir. Oh non, quand même pas, eh. Monsieur Radichaud, soyez logique. C'est vous qui faites la cuisine, c'est vous qu'elle embrassera en sortant. Et plus on discute, et plus elle se refroidit, Madame Martine. Ouais. Bah oui, Jeanne a raison, on n'a qu'à aller lui ouvrir et puis c'est tout, hein, on n'en parle plus. Mais c'est pas possible, c'est impossible. Je ne connais pas la combinaison, voilà. Alors, bravo. Parce que monsieur se permet d'engueuler tout le monde, mais finalement, il n'est pas plus intelligent que les autres. Et toc. Mais c'est Amandine qui a la combinaison. Ah, et alors, de quelle couleur un peu transparente? Putain, vous êtes vraiment un abruti, vous, hein. Non, mais vous imaginez la scène, hein? Chérie, est-ce que tu pourrais me donner la combinaison du cadenas de la chambre froide, la directrice du cabinet du sous-préfet, enfermer ta mère dedans, hein? Eh ben, là, ça... c'est au moins un peu logique, hein? Ça le mérite d'être clair, hein? Oui, bah, eh ben non, non, voilà. Mais pourquoi est-ce que vous avez mis un cadenas sur votre chambre froide? Et un code en plus! C'est parce que ma femme fait un régime. Voilà, enfin elle fait des régimes. Et puis moi, la nuit, il m'arrive de temps en temps d'avoir des petits creux, alors je descends dans la chambre froide pour grignoter comme ça. Et ça, bah, elle ne le supporte plus. Alors, bah, du coup, elle a mis un cadenas à code. Crac! Voilà. C'est vrai que ça doit être frustrant, ça, quand même, hein? Je suis sûr que ça doit être une combinaison toute simple. C'est vrai, quoi. C'est une femme. Bah, c'est vrai, quoi. Moi, ma grande bébête, ben, tous ces codes, ben, c'est la date anniversaire de notre chien. Hey, vous avez un cocker aussi? Jean! Coquet, j'adore les coquères. Oh.
sûr. Et là, cacahuète salée. Mais il est mort du cholestérol. Oh la pauvre bête, c'est affreux. Bon, hé, oh, on en a rien à foutre de vos cacahuètes, nous, hein. Je vous rappelle qu'on parle de ma belle-mère. Non. Oui, mais enfin, si vous n'aviez pas mis un cadenas sur la chambre froide et si vous connaissiez la combinaison, on n'en serait pas là. Non, mais on croit rêver, là, hein. Alors, monsieur nous engueule, m'empêche de parler de mon chien et tout, et tout, et tout, alors qu'il connaît la combinaison de son cadenas. Non, c'est pas que je la connais pas. Enfin, je la connais pas tout à fait, quoi, voilà. Ah ben, mais vous êtes un marrant, vous, parce que ou on la connaît ou on la connaît pas, la combinaison. Comment dire, ce sont les mensurations d'Amandine, voilà. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas les mensurations de votre femme. Et non, puisque je vous dis qu'elle n'arrête pas de faire des régimes, ça change tout le temps. Un coup c'est yo-yo vers le haut, un coup c'est yo-yo vers le bas, yo-yo vers le haut, yo-yo vers le bas, donc le code il change tout le temps, voilà. Donc on sait pas que c'est. Eh ben, on n'a qu'à faire des essais. Impossible. À vue de nez, comme ça. C'est impossible. Au bout de trois, il y a une alarme. Wow. Oh merde, la tuile. Présent. Monsieur Raduchaud, vous allez téléphoner à votre femme et vous allez lui faire dire ses mensurations par la ruse. Mais non, je la connais, ça marchera jamais. Non, ça marchera pas, c'est sûr. Mais si, je sais ce que l'on va faire. Écoutez, on va s'entraîner. Je vais jouer le rôle de votre femme. On va s'entraîner, ça va marcher, monsieur Raduchaud. Venez me prendre, enfin, venez me prendre dans vos bras, quoi, monsieur Raduchaud. Non. Il n'en est pas question. C'est avec moi qu'il va s'entraîner. Moi, ça va pas faire pareil, hein. Me faire piquer ma femme par un sous-préfet passe encore, mais être cocu par anticipation avec mademoiselle Suzy, non, hein. Ça va pas être facile, hein. Ben non. Bon, ben on va ici. Pour la cave, c'est bon. Par contre, vous éviterez... J'avais oublié celle-là. Oui, vous éviterez d'entreposer les cartons vides, hein. C'est pas bon pour le vin, d'accord. Je m'en occupe. Alors, comme ça, vous faites un métier, mais très 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 dangereux, hein. C'est étrange, mais peu de personnes le comprennent, c'est vrai. Et c'est vrai que vous devez goûter tout pour savoir si c'est mangeable. Oh, pas tout à fait quand même, mais bon. Mais si vous voulez, je vais justement dans la cave là pour vérifier les légumes secs et la farine. Alors, venez avec moi, je vous montrerai, d'accord? Très bien, allons-y, avec très plaisir. Très intéressant, c'est les lentilles. Ah, les lentilles, c'est bien. Vous les goûter, c'est mais parfait. Ça fait péter les lentilles. Bon, ben, on y va? Qu'est-ce que je fais? Ben, vous me prenez dans vos bras. Regarde par là. Faut que je me concentre, hein. Concentrez-vous. Oh, ma poupée. Oh, que tu as de bons seins, tu sais, ma poupée. Enfin, monsieur Raduchaud, vous l'appelez ma poupée? Non, jamais j'appelle ma poupée, enfin je... Ben alors pourquoi vous le dites? C'est pas crédible, là. Ben, je sais pas, je me suis approché de vous, je vous ai touché la poitrine et... C'est sorti tout seul. Bon, allez, on recommence. Et concentrez-vous. Pensez à madame Martine qui est dans le frigo, là. Bon, qu'est-ce que je fais? J'y retourne? Bougez pas, je vous les rentre. Oh, je me concentre. Oh, Martine! Oh, vous avez les tétons qui pointent, c'est quoi votre bonnet? Oh, monsieur Raduchaud, enfin! Enfin, c'est quand même pas facile, vous me demandez de vous caresser, de me concentrer, de penser à ma belle-mère, je fais ce que je peux, moi! Oui, mais quand... Lionel, vous... oui. Tu peux m'expliquer, là? Ah,
Oh mais... Ah ben ma chérie, je t'assure qu'il s'est vraiment rien passé entre monsieur Jeannot et moi. Il ne faisait que tâter mes tétons pour savoir la taille de votre soutien-gorge. Ah mais décidément, monsieur Latuille, je crois que je préférerais vraiment... Mort. Mais non, mais je te parle de ça, moi. Quoi? Belle-maman! Bah, quelqu'un a enfermé maman dans la chambre froide! Oh! C'est pas possible! Un train! Qu'est-ce que tu dis? J'ai un train! Ah, mais je, détendez-vous là! Vous me paraissez un peu crispé! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu froid! Oh, bah tu m'étonnes! Mais tu te rends compte? Non, mais l'état dans lequel on l'aurait retrouvé si j'avais pas été ouvrir la porte, c'est pour. Oh là là, on aurait retourné un film d'Hibernatus. Mais en fait, mais pourquoi t'as ouvert, toi? Mais ça, c'est pas la question, ça. Ah non, mais j'y crois pas, c'est pas vrai, ça. Alors tu mets des canards, tu changes des codes, tu me resteras depuis des mois et des mois, et là, tu en profites dès que j'ai le dos tourné pour t'enfiler des cuisses de poulet dans mon dos. C'est même pas vrai, d'abord. Ah voilà, vous voyez, j'ai vraiment un métier chiant, passionnant. Chiant. Ah, vraiment. Oh, c'est chiant. Oh, mais dis donc, ça. Ça a pas l'air d'aller. Ah, mais ça va pas du tout, là, madame, hein. Faut pas que quelqu'un, hein. Un connard. Enfermé dans la chambre froide pendant un quart d'heure. Oh, la tuile. Prison. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est moi. Oh, c'est pas possible. Oh, je suis la dernière à être rentrée dans la chambre froide et moi j'ai fermé la porte. J'ai pas vérifié s'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur. Oh, c'est pas possible. C'était vous alors? Mais vous savez, c'est pas très très grave. Elle est habituée, hein. Ah oui, c'est pas grave du tout, hein. Non mais qu'est-ce qui te prend? Il y a deux minutes, tu voulais rétablir la peine de mort. Ça devient une péripétie insignifiante, ton truc, là. Mais c'est le guide des trois tambouilles, alors t'es gentil, tu lui souris. Le guide des trois tambouilles. Écoutez, je vais me dénoncer à la police. Moi, après une erreur pareille, de toute façon, je suis complètement grillée dans le métier. Mais c'est pas le guide des trois tambouilles. Mais ne vous inquiétez pas, mais on dira rien. Hein, maman, qu'on dira rien. C'est pas le guide des trois tambouilles. Écoutez, vraiment, je... Oh, je comprends. Non, je peux pas. Je peux plus même plus me regarder dans une glace. Oh, si, en faisant un petit effort. Hein? Le guide des trois tambours. Mais c'est pas le guide des trois tambours. Écoutez, madame. Je comprends plus. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Oh, c'est froid. Mais c'est froid. Bah, écoutez, peut-être que avec votre métier, oui. Vous connaissez les meilleurs restaurants du coin, je pense. Guidez trois temps. Oh, écoutez, si vous voulez ce soir, je vous emmène dans le plus grand restaurant de la ville. Ah, c'est pas ici. Ah, ben ça, c'est ça. Attends, c'est pas ici. Ah, ben c'est ça. C'est pas ici, pas bon, qu'est-ce ça. Ben non, vraiment, le meilleur restaurant, c'est sûr que c'est pas ici. Hein. Vraiment, vous êtes un original, monsieur Raduchaud. Alors là, hein, et plein d'humour. Ah, ben, on fait ce qu'on peut, disons que c'est. Vous êtes tombé là. C'est une bonne journée, on va dire. Oui, 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 ah, je vois ça. On est tombé en plein dedans. Ah oui, ben ça. Ça alors, autre chose. Je passe vous prendre dans une heure. Est-ce que ça vous convient? Oui, le temps de me faire un petit rafraîchissement. Parfait. Oh, c'est bon, j'ai pas vu. Après tout, aujourd'hui, je dois faire le premier faux en écriture de toute ma vie. Oh, imiter la signature d'un sous-préfet, ça doit pas être très compliqué, non? Non, ça va aller, ça va aller. Bon, au revoir tout le monde. Allez, au revoir. Je vais venir avec vous, Suzy. Ah oui, Jeannot, si vous voulez. Venez vite. Ah,
J'oubliais. Oui. Je suis le représentant régional du guide des trois tambouilles. Ah oui. Et j'étais venu vous décerner une tambouille de bronze. Oui. Oui, bah je comprends. Bon, écoutez, ça sera pour une prochaine fois. Hein. Mais j'ai changé d'avis. Ah bon? Je vous décerne une tambouille d'argent pour l'ambiance. Ah oui. Ah bah oui, c'est sûr que là. C'est sûr que là, oui. Le guide des trois tambouilles, mais alors, c'est qui la nana qui vient de sortir? On vous expliquera tout. Tout? Non, pas tout. Ah bon? Et pour le cadavre? Quel cadavre? Quel cadavre? Mais vous avez de ces imaginations, mademoiselle Amandine. Ah oui, hein, mademoiselle Amandine, il va falloir manger un peu plus, hein. Parce que là, vous nous faites de l'hallucination. Mais attends, parce qu'ils savent pour nourrir. Non, pas du tout. On va peut-être y aller, nous, chérie. Allons-y. Oui, Jeanne, allons-y. Quelle journée. Oh, allez, Moumoune. Fais pas la gueule, Moumoune. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Hein? Allez, viens, ma chérie, viens. Écoute, une journée très difficile aujourd'hui, très longue, très dure. Hein? Je te propose d'aller faire un petit câlin dans la chambre. Je pense qu'on en a vraiment besoin tous les deux, tu vois. Hein? Bon. On y va? Ok, mais dans la chambre froide alors. Ça durera plus longtemps. Ah oui. Bah c'est sûr, hein. Monique!
Ouais. Donc, voilà, restez concentrés. Merci beaucoup. C'était notre dernière à Saint-Germain-des-Prés. Ouais. On revient en janvier au Tivoli, ouais, puis à Ferrières. Ouais. Voilà. Donc, c'est à nous, ouais, de les applaudir. Ouais. Voilà. Allez, on va vous applaudir. Michel, je vais chercher Michel. Michel, il est dans la salle. Michel. Il y a un Michel dans la salle. Là. Ah, il y a un Michel. Monsieur là. Le monsieur. Michel. Michel. Ah, oh, c'est au cascadeur. Oh là 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 là. Cascadeur Michel. Va au milieu là-bas, mon fils. Au milieu. Voilà. Et Michel. On l'applaudit, Michel.